Oh, si je vous attrape. Vous avez passé un seul quart d'heure. Ouh, cette fois-ci, je vais pas vous louper. Il vient vers nous. Comment tu veux qu'il nous attrape? T'as vu son bide? Faut pas rester, il est tout près. Viens, Marcel! Hé, attrape-moi si tu veux! Et tu disais tout à l'heure. Non! Il est où l'autre? Alors? Je sais pas. Tu sais pas? Mais il a de la chance, lui. Enfin, pour l'instant... Qu'est-ce que vous allez me faire? Et d'après toi? Je me suis tordu la cheville. Attrape ça! J'ai trop mal. C'est bien fait pour toi. Je m'excuse. Et tu crois que ça me suffit? Je sais pas. Je vais marcher jusqu'au moulin, que jette un coup d'œil. Je peux pas marcher. Je devrais te laisser là, tiens. Attendre que les bêtes te mangent. Allez, appuie-toi sur moi. N'oubliez pas, tu seras tout seul. Hein? Allez, allez, allez. Hop. Assieds-toi. Allez, allez. Ah. Ça va durer longtemps, ce petit jeu? Pour s'amuser, on ne commencera plus. Ouais, et toi, tu t'amuses en emmerdant les gens, c'est ça? Non. Comment tu vas t'essuyer? Allez. Ça devrait faire l'affaire. Ah, tu enlèves ta godasse. Pose ton pied sur mon genou là. Allez! Ouais. Ah bah quoi? Tu t'es pas loupé, hein? Bah, c'est enflé là. Aïe! Ah. Ça fait vraiment mal! Mais c'est même pas cassé, hein? Non. Bon, j'ai juste une entorse, mais. Vous êtes sûr? Bah oui, c'est sûr! Évidemment! Hein? Une semaine sans poser pied par terre et puis tu ressors tout neuf. Voilà! Et comme ça, tout le monde y gagne. Oui. Comment ça? Ah, parce que tu comprends pas. Hein? C'est simple pourtant. Tu restes en pied derrière sur le fauteuil pendant une semaine jusqu'à ce que ta cheville aille mieux. Et puis, comme ça, tu ne jettes pas de cailloux dans mon carreau. C'est quoi ce petit sourire là? Hein? Voilà. Je serre un peu, hein? Ça va, pas mal? Oui. Attends.
mon pauvre Marcel. Mais pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai dit ? Ouais. Et ma femme et mes enfants. Mais ils sont pas égaux. Mais arrêtez de poser des questions comme ça. Elle va bien s'asseoir. Dis-moi. C'est qui le petit qui s'est enfui là, tout à l'heure? Bon, assieds-toi correctement, mais sois bien en face de moi. Voilà, je t'écoute. C'est mon petit frère, Lucien. Ah, bah dis donc, Lucien, il est moins bouillon que toi. Hein. T'as faim ? Non. T'as soif ? Non, merci. Hein ? Si je reste là, mon frère va s'inquiéter. Pourquoi t'es pas bien avec moi ? Si, mais... Mais tu mets quoi ? Tu vas rester avec moi, ça sera ta punition. T'as pas le choix. Pourquoi vous êtes tout seul ? T'es un peu curieux, toi. Non, mais je me demandais, c'est tout. Ouais. Moi aussi, je suis curieux. T'es d'ici ? C'est qui tes parents ? Mon père, c'est le gars champêtre. Ah, c'est si je m'y attendais à ceci, hein ? Dans la guerre. Oui, bah je sais, il me l'a dit en partant. Vous le connaissez ? Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai dû manger du faisan. Ouais. Il a tout pris. Et en partant, il m'a dit, profite maintenant. Parce que tu nous auras pu pendant un bon moment. Je vais te mobiliser. Comment il va, ton père ? On n'a pas de nouvelles depuis un mois. Ah, c'est moche. Mon père m'a dit que vous étiez docteur. C'est pour ça que vous savez pour ma cheville. Pourquoi tu me parles de ça, toi ? Hein ? Pardon ? C'est toi, excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Tu veux savoir ? Non. Mais si, si tu veux savoir, je sais. Ça fait une trentaine d'années que pratiquement je parle plus à personne, que je suis seul ici comme un rat. J'étais médecin. Oui, j'étais médecin. Mais je peux même plus tenir un bistouri, regarde, à cause de ça. Regarde. Eh oui. J'ai un peu faim maintenant. Tiens. Sers-toi. Ma femme et mes enfants sont morts. Ils ont entendu colère. J'ai rien pu faire pour eux. Triste. On peut dire ça, oui. Mais moi non plus, le choléra m'a pas épargné. Ça a brisé ma vie. Ça, tu manges plus ? Ça m'a coupé l'appétit. Je te garde encore une demi-heure et puis après je te libère. Je pourrais revenir si vous voulez. Ouais, bien sûr. Hein, pour jeter des cailloux dans mon carreau ? Non, pour discuter. C'est gentil. Oui. C'est pas parce que tu peux marcher maintenant. Tu peux mettre le pied à terre. Va jusqu'au buffet. Allez, va jusqu'au buffet. Il est dans le tiroir de gauche. Il y a une boîte en bois emballée dans du tissu. Qu'est-ce que c'est ? Tu vas bientôt le savoir.
pas encore. Merde. Hop, hop, hop. Depuis le temps que j'attends de pouvoir jouer cette partie, tu sais. Assez à toi. Mais tu vas t'ouvrir. Ben non, oh là, il y en a encore plein. Là. Oh, oh. Arrête, 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 arrête.